C'est bon les gens, vous êtes là? Putain, ça a bugué, ouais, c'est relou ça. Tout le monde m'entend bien, c'est bon, il n'y a pas de soucis sur le live, sur le chat. Vous me dites, hein, sinon je réactualise mon truc. Je sais pas pourquoi ça a coupé comme ça. Mon routeur 4G a pas aimé que je passe devant lui, je sais pas. Et là, la connexion sur YouTube, ils disent que c'est pas tip top les scalops. On a croisé une voiture du shérif. Il va pas faire le fou du coup. Vous allez bien, monsieur? On met ses clignotants et tout, regardez. On n'est pas beau comme ça? Connexion vocale réussie. Et on va déposer tout ça. Ça, c'est relou que ça a coupé là. Déposer. Voilà, 5000 balles. Là, ça fait plaisir. On commence à avoir un peu de sous. Je vais actualiser ici. Parce que des fois, ça met du temps à repartir. Le chat, je sais pas pourquoi. Salut, ah bah tu vois, heureusement que j'ai actualisé parce que ça me le mettait plus, tu vois. Hop, voilà. Le chat avait bien déconné là-dessus. Tu pourrais faire un tacos des abonnés? Bah j'en ai fait un il y a une semaine. RK Zup. Il y a une semaine j'ai fait un tacos des abonnés déjà. Boum boum boum, attends, on peut boire un cool et tout ça là. Inventaire. Jus de carotte, on se boit un petit jus de carotte. Qui est un burger visiblement. Et le petit crabe, on peut attendre un peu. Le crabe, je crois, il donne pas mal. Alors, on va remettre le truc là-haut. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir encore travailler là-bas. Parce que je suis déjà à 4 runs là, visiblement. Logiquement, ça devrait arrêter dans pas longtemps. Enfin, ça devrait plus être possible. Du coup, quand ça sera plus possible, je pense que. On ira peut-être faire réparer le véhicule et on ira peut-être faire un peu de poisson. Là, de toute façon, dans un premier temps, les premiers jours, hein, c'est vraiment. Bon, si tu essaies de te faire quand même tes connaissances, hein, c'est important, mais c'est important d'avoir un peu de monnaie parce que sinon tu peux rien faire. Hein, ça va très vite avec la nourriture à acheter et tout ça. Padam pam pam. Oh non, putain. C'est quoi? Là, j'en ai marre d'avoir cette musique dans la tête. Voilà. Nanana, nanana, tadam. Oh yeah! Ah, c'est parti, on est chaud, on lève les mains dans le fond. C'est chaud! Il y a de la biker là, il y a du biker. Tu es sur Antares ou sur un autre serveur là? Là, je suis sur un autre serveur là, je suis sur GTA Life. Pam 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 pam.
Pam 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 pam. Ah, j'ai téléchargé Twitch Shines. C'est un truc de chanson. Alors moi je kiffe hein, tous les trucs, tu sais, trucs de musique où tu dois chanter type karaoké et tout sur les consoles là. Et j'ai téléchargé donc du coup le jeu de Twitch comme ça où tu dois chanter. Et c'est assez délire parce que tu fais des duos et tout ça avec d'autres streamers et c'est ultra marrant. Donc faudra que je teste de le faire en live 24 un jour, genre un week-end ou un truc comme ça où je sais qu'il y a du monde, comme ça peut être bien drôle. Voir ce que ça vaut. Ouh yeah! Tanou tout. Ah, je vais couper la musique par contre. Ah merde, si c'est bon, j'ai assez de patates, je me suis dit, je vais plus avoir assez de patates pour monter. Alors, est-ce que je peux encore récolter? Yes, je peux encore. Eh ben, c'est cool si on peut récolter. GTA Life, kiffe les séquoias, mort de rire. Ah ouais! Les séquoias, il y en a partout. Moi, je kiffe hein, les trucs de séquoias. Les grandes forêts de séquoias. Ah putain, tu sais quoi, ça m'a donné tellement envie là. On a parlé de Sequoia là. J'avais été avec ma meuf, on s'était fait un week-end à Disney. Alors nous, on n'est pas très très loin de Disney, hein, mais on adore. On est des gros gros fans de Disney de manière générale, mais du parc aussi. Et on s'était fait un week-end un jour donc à l'hôtel 4 étoiles, le Sequoia's Lodge. Franchement, c'était terrible parce que du coup, quand tu prends le week-end comme ça, bon, nous on avait le pass annuel en plus, hein, donc on avait une réduction. Mais en gros, ouais, tu prends là-bas, donc tu as accès à la piscine, tous les trucs, les restaurants de l'hôtel, les différents restos et tout ça. Mais ce qui est génial, c'est que tu es vraiment au pied de Disney. Donc ça veut dire que quand tu sors de ta chambre le matin, tu prends ton petit déjeuner et tout ça, et tu sors, t'arrives direct dans Disney Village. C'est génial, quoi. C'est vraiment une expérience sympa à faire, quoi. Si vous avez jamais pris l'hôtel à Disney, faites-le, hein, franchement. Bon, il y en a plusieurs hein, des hôtels. Le Sequoia's Lodge, il est quand même. Voilà, c'est quand même un 4 étoiles, donc il est quand même pas forcément donné. Mais t'as New York aussi qui est dans la même gamme et le Newport Bay, donc qui sont autour du petit lac où il y a la montgolfière. Et après, t'en as des un peu plus loin. T'en as un type un peu country, t'en as un type un peu dans l'univers de Cars. T'as des trucs un petit peu moins chers. Le David Crockett et tout ça, là. Mais c'est cool à faire, hein. Franchement, les gens qui l'ont jamais fait et qui ont la possibilité, faites-le. C'est vraiment tip top. Ah, vous avez atteint la limite de travail. D'accord, ok. Eh ben, on est arrivé. Ça y est, les potes, on a atteint la limite. Donc du coup, ça, on va le mettre dans le coffre. Et puis, on va y aller. Hein. On va aller traiter ça. Bah, on a presque un coffre plein, hein, mine de rien. Donc franchement, ça va. Hein. Je suis assez content. Hein. On va aller pêcher derrière après. Je vais vous montrer un peu la pêche. On aura fait quand même un peu de thunes au raisin, ça va. Hein. Combien de litres il me reste là-dedans, là, en fait? 13 litres, et ma putain. Et regardez aussi ce qui est bien aussi sur ce serveur-là, regardez. Il est 14h40, on est en pleine semaine, il y a 40 personnes déjà hein, en journée. Hein. Il y a toujours du monde, ça qui est bien sur ce serveur. L'essence, on va peut-être devoir en remettre. Pam pam. Pam pam. Lol, c'est nimp, limite de travail. On peut pas. Chinoiser. Ah bah ouais, mais c'est fait exprès. D'un côté c'est chiant parce que moi je suis un gros farmeur, mais c'est vrai que d'un autre côté c'est quand même bien parce que du coup c'est vrai que quand tu farmes, tu farmes, tu farmes, tu farmes, les gens après ils font plus que ça et c'est relou. Donc là, oh mais putain,
T'as quand même de quoi farmer un minimum, puis après tu peux aller pêcher, faire d'autres trucs. Ça pousse les gens à devoir aller faire un peu du RP et pas que du farming, tu vois. Et ça, c'est bien. Pro you. Aza, tu connais la cueillette de Torfou en Essonne? Ah, c'est génial ça. Oui, je connais Adrien, c'est génial les trucs de cueillette comme ça. C'est super. Normalement, la cueillette de Torfou, c'est pas, il n'y a pas un truc, c'est pas dans le coin de pas loin de Saint-Michel-sur-Orge ou un truc comme ça? Parce que je sais qu'il y a un truc de cueillette pas loin de Saint-Michel. Ah, il va y avoir une tempête. Qu'est-ce qu'il me dit mon truc là? On va couper la musique par contre, parce qu'il y a quelqu'un à côté de nous. Bon bah. Alors, raisin. On va en prendre 30 sur soi, si on peut. Ouais, on peut, on peut, on peut. On traite. C'était une baro... C'était un baromètre. De quoi un baromètre? De ce que j'avais dans les mains là? Merde. De quoi? Ça? Ça, c'est une station météo que j'ai. Et du coup, ça nous dit comme quoi il y a attention couvert, avis de tempête. Quand ça sonne comme ça, c'est qu'il y a avis de tempête. Et l'autre jour, ça me l'a fait à 2h30 du mat. J'étais vraiment ravi. J'étais extrêmement ravi que ça m'a réveillé. Et du coup, j'ai pas dormi le reste de la nuit parce que il faisait trop chaud et tout ça. C'était bien galère. Donc, du coup, c'est bien, hein, mais des fois, c'est galère. Pam, 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 param. La tempête, ouais, bah c'est le truc, ouais. C'est à côté de Boissy, sous Saint-Yon. Et sinon, il y a peut-être une cueillette aussi, ouais, vers Saint-Michel-sur-Orge. Ouais, vers Saint-Michel, il y en a une, je sais qu'il y en a une vers Saint-Michel, ouais. Mais c'est génial, hein, les trucs de cueillette comme ça. Hein. Tu peux, c'est toi qui récupères toi-même tes légumes et tout, c'est pas cher, c'est vraiment excellent, moi je kiffe là. Garder sur soi, c'est bon ça. C'est bien ça quand il pleut, comme ça, j'ai pas besoin de nettoyer dans la terrasse à mon taf. Bah oui, c'est clair. Oh là, il fait quoi? Il avance pas, il fait des trucs bizarres. Moi, je sais pas si les shérifs ici, enfin, les mecs qui bossent dans le bureau du shérif, ils ont énormément, énormément de taf. Je sais que sur la partie LSPD, il y a du taf. Hein. Il y a énormément, énormément de taf. Hier, je suis passé juste avant d'aller dormir vite fait sur live de Sura. Putain, elle a fait une, ils ont fait une course-poursuite, mais qui a duré au moins 15-20 minutes. Il y avait du taf. Hein. Je me souviens une fois, quand j'étais quand, attends, quand j'étais gosse, 5 euros. Alors attends. On va voir après quand je serai à l'arrêt parce que là.
T'as fait des étincelles ou quoi, ma voiture? Et c'est comment votre nom du coup? Catalina. Eh bien, enchanté, moi c'est Jerry. Enchanté. Et vous venez de, du coup, vous venez de temps en temps faire du vin ou c'est exceptionnel? Non, de longtemps. En fait, avant, j'en faisais beaucoup. Après, je travaillais à l'hôtel du Sud. Mais parce que là, je n'ai plus trop d'argent. Du coup, je décide. Ah oui, du coup, ouais, faut arriver à faire rentrer un peu de sous, ouais, du coup. Ouais, bah Du coup, vous faites ça que dépanne de la vie. bien. Bah, pour l'instant, ouais. Pour l'instant, ouais. Je vais, faut que je me renseigne un petit peu s'il y a des sociétés qui recrutent en ville, tout ça. Bah, je sais qu'il y avait Fischero, mais c'est bon, maintenant ils recrutent plus. Ouais. Bah, après, faut essayer de voir vers le LTD, les dépanneurs, des trucs comme ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, après, c'est pareil, c'est comme tout, hein. Moi, je sais que j'aime beaucoup le Nord, mais après, rien n'empêche aussi de voir peut-être pour travailler dans le Sud et après aller se détendre Ah, dans le bah, Nord le après, soir, hein. ouais, c'est sûr. Que j'ai pris, j'ai tous les trucs là. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes en ville? Ah oui, moi ça doit faire depuis septembre. Ah oui, ah oui. Ça va faire bientôt un an. Ah oui, du coup, vous devez connaître tout le monde. Bah non, parce que après, en fait, ça fait depuis septembre que je suis là, mais après j'ai pris des longs mois de vacances. Ah oui, d'accord. Ouais. Et je suis revenu en avril, et là, ça fait depuis avant-hier que je suis revenu, parce que j'ai décidé de prendre des vacances pendant un mois ici. Ouais, mal du pays, tout ça. Ouais, voilà, et du coup, c'est pour ça. Et donc, au final, je connais pas tant que ça. Hein. Bah Bon, oui, après, je les gens ont connais. dû changer, ouais. Mais après, il y a des gens qui partent, il y a même des gens qui meurent, malheureusement. Oui, malheureusement, oui. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui déménagent, des trucs comme ça. Et après, il y a plein de personnes, hein, de nouvelles personnes. Ah bah oui, bah c'est sûr. Voilà. Bah c'est cool, c'est cool. Si ça vous dérange pas, je peux prendre votre numéro comme ça si jamais. Parce que je connais personne dans le sud encore pour l'instant, donc si jamais je Bah, vous descends dans le inquiétez sud. pas, bah, c'est le 555 Voilà. 91 22. Je vais noter ça. Vous m'avez dit c'était Katarina, c'est ça? Catalina. Catalina, ok. C'est avec un C. Alors, Catalina. Catalina. Hop. Et vous m'avez dit c'est combien votre numéro? 91 22. 555 91 22. Je vais vous envoyer un SMS. Alors. Hop. Du coup, c'est Jerry, c'est ça? Jerry. Normalement, vous avez reçu le SMS là, Ah, et vous avez le nouveau numéro, donc ouais. Ouais, bah 316. oui, j'ai acheté ma puce en arrivant à l'aéroport. Ouais. Ah oui, c'est plus simple à retenir, ouais. Oui, mais avant, nous, je sais pas pourquoi, on avait que 4 chiffres et maintenant, il y en a 5. Ah, c'est sûrement que ça arrive à saturation au niveau des Ouais, c'est desserts de sans doute. numéro. Hein. Eh bah écoutez, au plaisir du coup, hein, si jamais je descends dans le sud, je manquerai pas de vous envoyer un petit message. Ouais, apparemment, ne vous inquiétez pas, ce sera un plaisir. Ça Et puis marche. on va. Oh là là, c'est Merci. quoi ça? Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais. Ah bah du coup, il a laissé ça. Ah bah ok. Ok. Ah oui, ici, c'est normal qu'ils ont pas envie de parler ici en fait. Ouais. Hein. Ils ont pas le temps en fait. Ouais, je crois aussi. Oh, ouais. Bon bah bon courage alors. Ouais, bah si. Moi aussi. Putain, le truc de ouf. Alors, je me souviens une fois quand j'étais gosse, 5 euros les 25 kilos de patates à la ferme. Mais le souci. Ouais, je vais appeler un dépanneur. Je vais appeler un dépanneur. Je vais appeler un dépanneur. Et ma voiture a fait des trucs de ouf là. Mais fermier. Le souci, c'est comment les conserver. Ouais, bah oui, maintenant, en studio, c'est autre chose. C'est autre chose. On va appeler un dépanneur si c'est possible. Ou on va au garage, ça servira peut-être moins cher. On va peut-être aller au garage, hein, ça va peut-être revenir moins cher d'aller directement au garage. Parce que le dépanneur, il va nous payer, il va nous faire payer les frais sinon. On va aller au garage. On va bouffer un petit truc aussi. Inventaire, crabe.
Petit crabe. Boum, ça remet bien le crabe. Hein. C'est moi ou la voiture, elle a vraiment du mal là. J'ai un pneu crevé? Ou alors j'ai plus d'essence? J'ai plus d'essence, c'est quoi? Site. Ah ouais! Ouais. Bon bah écoute, j'espère que ça va aller, qu'il y aura assez d'essence. Hein. Litres, ah c'est chaud. Et attends, mais on a une pompe à essence dans le coin, non? Oh la mission. Allez, tiens bon la voiture, s'il te plaît. Tiens bon là. Et c'est bon, t'as encore des litres d'essence là. Oh là là. Si je la mets en automatique, ça marche ou pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là. Oh la mission, attends, on va enlever l'automatique. Eh, j'ai cassé la marche arrière ou c'est comment? Eh, je vais rouler sur le côté, hein. Arrête ton live à quelle heure? Je sais pas du tout. J'ai pas précisé, je sais pas. Si jamais il y a les mecs pour le comptoir qui m'appellent en me disant ouais on est en bas machin, je stopperai le live d'un coup. Mais sinon, sinon pour l'instant je sais pas. Ah en fait si, je vais stopper le live dans pas longtemps, ma meuf elle va pas tarder. En vrai, je suis en train de me dire. Si si, elle va pas tarder. Merde. Et allez, tiens bon, il y a une pompe à essence juste là, là. Après le tournant, là-bas. Non, ici, en fait, je vais stopper le live dans pas trop longtemps, en vrai. Alors, m'envoyer un message sur Insta. Allez, tiens bon, la pompe à essence est juste là. Allez, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Ouf, c'était compliqué. Ah, on peut pas mettre plus de 30. Alors. Chaud quoi, chaud chaud chaud. Alors, hop. Tu vas faire d'autres lives GTRP cette semaine? Oui, il y en aura d'autres cette semaine. Ça marche Natou, à plus tard. Bon bah voilà, on a assez d'essence là maintenant. Waouh, de l'autre côté, c'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Pam 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 param pam pam para pam pam param. Ouais, en gros, elle avançait plus, c'était à cause de la panne. Enfin, on était proche de la panne d'essence, quoi.
Alors on va aller voir le garagiste s'il y en a un de connecté. Pam, 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 padam. Ça, je sais pas ce que c'est exactement, je suis jamais allé voir. Roue de secours. Ah oh, putain, ils vendent des trucs. Clé anglaise, moteur. Trousse à outils. Bombe de peinture. Kit de lavage. Putain, énorme. Énorme. Bon, moi, attends, du coup, il y a moyen de faire appel à un garagiste? Ah. Oh, stylé. Oh, c'est énorme. Oh. Et il est stylé, il est gigantesque leur garage alors que de l'extérieur c'est pas ça. Hein. Ah si, c'est quand même grand. Si si, c'est quand même très grand leur truc, ouais. D'accord, ok. Bah, alors est-ce qu'il y a un garagiste? Il y a un dépanneur de connecté ou pas? Non, il n'y a pas de dépanneur de connecté. Ok. Bon, bah maintenant qu'on a repris de l'essence, on va aller à la pêche. Écoute, qu'est-ce que je te dis? Je vais aller poser des trucs à la banque par contre. Je crois qu'il y a une banque dans le coin. Salut mec, j'ai testé le tacos. Dans un tacos, c'est vraiment pas mal. Ah bah oui, mais tu peux faire des délires de ouf avec le tacosception. Ah bah attends, mais il y a la banque juste là en vrai. Est-ce que je me fais chier? Déposer. Que ça, 5 500 sur le compte, hein. C'est cool. Pam 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 pam. Ah mais non, ça va, ma meuf elle va au sport après derrière. Ah non les potes, c'est bon, on est tranquille. On peut continuer à jouer sur le tranquille sur le live. Elle est partie au sport, ma meuf, c'est vrai. Tranquille. Oh là là, la machine. Ici, c'est sympa, hein, le truc de Théba où on a acheté le. Ouh, le vélo tout à l'heure, le télésiège, c'est cool. Par contre, il est quelle heure là? Déjà 15 h. Je sais pas à quelle heure vont arriver les mecs pour voir pour mon compteur, mais ça serait bien qu'ils arrivent pas à 22 h quoi. T'as abandonné Antares? Ah non, 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 j'ai pas du tout abandonné Antares, hein, mais c'est juste qu'en journée, Antares, il n'y a personne. Donc du coup, c'est pas trop, bah, c'est pas trop rigolo de faire des patrouilles de flics quand il n'y a personne. Ouh là là, on fait attention s'il vous plaît. Ah mais j'ai fait n'importe quoi. Salut mec. Ah mais ça j'ai déjà lu ça, je suis con. J'ai lu deux fois le même truc. Non non non, Antares, non, je joue toujours sur Antares, c'est super cool Antares, hein. Y a pas de soucis. Ah non! Ah non, fais pas le con. Fais pas le con parce que là y a pas de garagiste, hein. Là on n'a pas de garagiste sous la main, ça serait très con, hein, cette histoire. Non, non, c'est même pas ça, c'est juste qu'au moins là je peux live tranquille. Non, parce que c'est pas pratique, c'est pas marrant de live, tu sais, genre
quand il y a ma meuf, elle est à côté, tu sais, genre tu peux pas trop venir déranger, faire de bruit, ni rien du tout, tu sais, genre quand t'es en live, c'est relou, hein, quand t'as une personne à côté, c'est normal. Hein. Là en vrai, si je rencontre une personne, une voiture plein face, là, ça picote, je pense. Hein. Je pense que c'est un aller sans retour à ce moment-là. Même là, il y a des virages, si tu les prends mal, c'est fini. Hein. Après, j'avoue que là, en termes de jeu, là, c'est quand même beaucoup plus plaisant hein, quand t'es dans le nord comme ça, là, dans des paysages comme ça, qu'en pleine ville tout le temps. Non! Oh là 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 les mecs, j'ai failli faire un tout droit dans l'eau, j'aurais été tellement dégoûté. Oh là là, j'ai flippé. Parce que cette voiture là, c'est pas, vous avez vu la taille de ses pneus, c'est pas cette voiture là qui tient la route et qui freine bien. Oh, oh le stress! Allez, on est arrivé sur le spot de pêche, les mecs. Je vais vous montrer le petit paradis de la pêche. Regardez comment c'est posé ici. Et voilà les potes, regardez comme on est bien ici, petit coin tranquille, on peut faire des barbecues, au calme. Il y a des petits feux, des petites bières qui sont déjà servies, on n'a plus qu'à pêcher tranquille. N'empêche, tu regardes l'eau et tout ça, pour un jeu qui a 10 ans, il est beau le jeu quand même. Hein. Alors Avanter, je vous montrerai la pêche, comment ça se passe. C'est une pêche qui est active, hein, pas une pêche passive. Pêche à dynamite. Qu'à la pêche. Et là ça se passe comme ça. Tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu cliques pour remonter. Et il va te donner une touche aléatoire qu'il va falloir cliquer, appuyer rapidement pour choper le poisson. Donc là, hop. Et voilà, là on a chopé une spatule. Et là normalement en fait ça bug mais normalement on peut relancer mais là ça bug en fait depuis quelques jours. Ouais je crois que ça si tu relances pas ta canne ça bug. Pam pam. De quoi? 6 ans, j'étais à 5, comment ça 6 ans? Ouais, wow, il a plus que 6 ans. Il a plus que 6 ans, j'étais à 5. Hein. Attends. Non, si, il a plus que 6 ans, attends. Largement plus, je crois. Date de sortie, GTA 5. Mais si, largement plus, il a 10 ans, il est sorti en 2018. 2008 et on est en 2019, il a 11 ans même. Et coucou, c'est parti, salut Nat. Il a 6 ans en septembre, mais non les gens. Ah non, date du début de projet 2008, ah oui vous avez raison, t'as raison, j'ai rien dit. C'est 2013, en fait le début du projet était en 2008, mais 2013 en effet. C'est parti. Ah ça pour dire DMDR, il est là le Thomas. Par contre pour se connecter sur les serveurs, il n'y a personne. Hein. C'est parti.
Ah ouais, alors attends, j'ai fait gling gling tout à l'heure. Pourquoi j'ai fait gling gling? Je sais pas, j'ai fait gling gling tout à l'heure, mais voilà quoi. Bon, c'est parti. Canne à pêche, R. Canne à pêche, attention, c'est parti, on attrape du poisson, on attrape du poisson. Ah, c'est chaud le poisson, c'est chaud. Bah vas-y, whitelist-moi. J'étais à... Bah allez mon pote, tu veux pas non plus que je te prenne par la main non plus? Alors attends, merde. Hop. Voilà, une truite bulle. On joue encore à Abidou? Mais non, en 2 minutes, on joue pas à Abidou. À Abidou, Kashiki, Ezaï. Mais non, moi en 2000, en 2008, moi j'étais en plein sur... sur quoi? Sur WoW, je pense, hein. En 2008. Je pense que j'étais sur WoW. Tat 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 tatam. Adibou. Tu connais pas Abidou? Tu connais pas Abidou? Juste un Abidou. Alors H, bam, petite chinook. Oula, t'énerve pas mon pote. Pam pam para pam pam param. Ouais, c'est ça, 2008 c'était CS et WoW, hein. Le pire, c'est sûr et certain même qu'on s'est croisé déjà en LAN ou tout, etc. En plus, Nat à l'époque, hein. Canne à pêche. Si je fais Sam 2 pour le délire. Abidou, meilleur jeu de les gâteaux. Ah, voilà. Je sais pas si je serai disponible ce soir, hein, par contre, Nat. J'aimerais bien être là pour visiblement pour la grosse scène là qu'il va avoir. Mais je te garantis rien du tout, je suis pas dur du tout, que ma meuf n'ait pas prévu quelque chose ou quoi. Habibi, c'est la version marocaine, ouais. Je sais pas, si je peux être là, je serai là, mais si je peux pas être là, je serai pas là. Ta-ta. Mais c'est vous aussi, pourquoi vous faites pas... regardez-le, le mec ici en courant de rien, il suit pas les Discord, hein. Il est sur les Discord de la LSPD, mais il ne suit rien du tout. Bravo le type. Je te comprends, j'ai la même. Ah, Laurent. Merci Laurent. Le devoir conjugal, exactement. Une petite bouche, c'est pas super, super. Petite bouche, ça vaut pas cher, hein. La merde, ça. Bah voilà, on se tient pas au courant, on se tient pas au courant de ce qui se passe dans la ville, mon petit côte. Est-ce que tu crois que c'est ça le devoir d'un policier? Est-ce que tu crois qu'un policier il doit passer ses soirées à jouer à des conneries là? À jouer à GTA Online? Nous c'était nos 8 ans hier. On a fait super resto. Du coup j'ai pu passer faire mon nouveau laptop aujourd'hui. Alors grande bouche, on a fait une grande bouche. Allez, ça pêche. Moi je dois avoir un problème parce que même là, en cherchant, je trouve pas. Ouais bah oui. C'est ce que je vois.
Vous avez vu, c'est sympa ce petit système de pêche comme ça. Tu dois remonter, là, tu fais le poisson, tac tac, et après, boum, t'as une, il faut que tu ailles vite, t'as une touche de clavier aléatoire, je trouve ça vraiment sympa. En plus de ça, t'as un vrai sens de rareté là. Par exemple, voilà, on vient de choper du chinook là. Ça, c'est un truc assez rare qui vaut des sous. Et t'as vraiment des poissons très rares. T'as un truc qui s'appelle sombre lune ou je sais plus quoi. Enfin, non, pas sombre lune. Mais un truc dans le genre, truc nocturne là. Et ça vaut 400 balles si tu le vends à la poissonnière directement. Et 700 dollars si tu le vends. Il y a un resto qui le rachète 700 dollars. Le mec qui s'est pris pour Hulk et qui a arraché ses menottes, ça. Ouais, putain, ça, c'est abusé ça. Le pire système de pêche. C'est sur Stardew Valley. Ah, ça va Stardew Valley, honnêtement. Mais c'est chiant. Moi j'ai lutté sur Stardew Valley, il fallait que je fasse absolument, il me fallait les hauts faits pour tous les poissons rares. Donc du coup, j'ai chopé tous les poissons rares du jeu, tous les poissons légendaires, mais j'en ai chié, hein. Il y en a certains putain, je cramais des trucs, des appâts, des bidules, des machins. Mais j'avoue qu'au début, c'était la merde. Quand t'as zéro compétence, quand t'as pas monté encore tes points de pêche, etc., et que t'as la première canne à pêche de merde, t'en chies. Hein. Bon, je retourne travailler. A plus, ça marche, Laurent. Merci d'être passé. Bon courage à toi. Bah, en fait, quand tu commences la pêche, faut jauger, etc. Ouais, bah oui. La jauge au début, elle est F. Oh, j'ai failli louper la truite à bulle. Mais putain, arrête de mettre des droites, toi. H. Grande bouche. Mais putain, mais arrête de rester dans l'eau, toi. Voilà. Hop. Inventaire. Ah, c'est parti, c'est chaud, on pêche. Allez, poisson, ça vient. C'est une technique pour attraper du poisson plus facilement. Allez, poisson. Allez, le poisson, c'est elle. Petite bouche, hein, mais on n'en veut pas des petites bouches, c'est de la marde. Alors quoi? Quand même sur Dofus, la pêche, c'est la Chine toujours des bottes partout. Ah oui, bah sur Dofus, oui, mais. Moi, c'est vrai que sur Dofus, moi je kiffe monter mes ressources. Hein. Je monte tout le temps toutes mes ressources, tous mes trucs, je kiffe. Gardon. Ah, gardon, ça vaut un peu de sous ça. J'ai réussi une fois à être niveau max, mais voilà les nuits blanches dessus, mort de rire. Ah bah ça, Dofus et les bottes, une grande histoire d'amour. Ah bah ça oui, les bottes sur Dofus, il y en a toujours. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est bien galère. Moi la seule fois où j'ai utilisé un bot, c'était sur Ion. Au tout début de Ion, je me rappelle, c'était tellement la misère. Le vrai Ion, le Ion avec abonnement et tout ça. Le vrai quoi, pas le free to play quoi. Et je me souviens qu'on avait, avec un pote, on s'était pris un bot, tu le payais ton bot, c'était un truc à l'abonnement qui était vachement bien foutu pour le coup, ça coûtait 5 balles je crois, un truc comme ça. T'avais des cheats pour tous les jeux que tu voulais. Et nous on avait utilisé un bot, mais le problème c'est que le bot des fois il faisait un peu ce qu'il voulait quoi. Quand tu commences à comprendre comment ça fonctionne au début, il fait sa vie de bot. Hein. Ah merde, j'ai loupé le truc. Il faisait sa vie de bot il y a des moments le truc. Hein. Ah, sur Dofus, moi j'ai pas tenté parce que je tenais trop à mon compte. Enfin, mon compte, mes comptes. Je tiens mes comptes Dofus, j'ai pas trop envie de les perdre. Je les aime bien, ils sont vieux. Autant Ion, je m'en foutais. Alors, H. Oh, ça pêche. Merde.
sur mon compte principal. C'était que des comptes poubelles où je m'en foutais d'être ban. Ah, ok, ok. Moi j'aimerais tellement bot sur Dead Frontier, le jeu de cinglé, faut farmer 600 millions pour avoir une sulfateuse à balles illimitées. Alors attendez, bon, elle est où ma le truc là? Elle. Ok. Pour avoir une sulfateuse à balles illimitées, ça coûte 500 euros. Putain! Non, moi un truc où je suis dégoûté d'avoir loupé le coche à l'époque, c'était... Merde, c'est pas ma carte d'identité que je veux sortir. T'as vu la carte d'identité, Code, comment c'est stylé? Moi, où je suis deg d'avoir loupé le coche, c'était sur Projet Entropia, où tu pouvais louer contre des vrais euros ou vendre des bâtiments, etc. Et en fait, je m'y suis mis trop tard. En fait, j'avais eu accès à ce jeu dans ses débuts. J'étais passé brièvement dessus, mais je m'étais pas trop intéressé. Et moi, je sais que j'ai un pote qui s'était bien poncé dessus. Et en fait, il avait bail un petit appartement dedans qui louait contre de l'argent IRL après à d'autres gens. Et c'était un truc de ouf. Et il y a des mecs qui ont acheté mais des paquebots spatiales, des grandes navettes, des machins. Et ils se faisaient des thunes comme pas possible. Et il y a un mec qui avait farmé à l'époque, qui avait acheté une énorme station spatiale ou un paquebot spatial, je sais plus. Et il a revendu ça, mais des milliers d'euros, mais quelque chose de ouf quoi. Projet Entropia, pour ça, c'était énorme. Dead Frontier, je connais même pas. Enfin, j'ai peut-être déjà vu, mais ça me dit rien comme ça en nom. Oh, bah attends, je vais aller poser mes trucs dans mon coffre. Alors, on va déposer ça. Esturgeon. Ah, bien, esturgeon, j'en ai deux. Gardons. J'en ai deux. Petite bouche, on en a 8. Alors voilà, c'était les petites bouches qui pesaient lourd. Les frontières, ça existe depuis 2008. C'est un zombie MMO avec vue aérienne. T'as des grandes villes, tu dois loot, tuer des boss, des zombies. Ah, ça va être marrant. Bon, sinon, tu commences quand ton trafic de drogue et d'enfants là? Ah, tu rigoles pas dessus, il y a le trafic aussi, le trafic d'organes, trafic de corps et tout ça. Hein. Tu peux entrer dans des bâtiments, te faire des abris, t'as des quêtes pour des fois des défouloirs, mais des fois c'est bugué. Ça doit être sympa, faudrait que je regarde. T'y as déjà joué toi quoi à ce jeu là? Parce que ça me dit bien de tester. C'est un jeu qui est sur PC? Live GTA, on s'aime. J'ai pas compris ce qu'il y avait eu. Ah ouais, du coup c'est un mec qui faisait de la pub pour son truc, ok d'accord. La pêche est gentille, mais on veut voir du sang, nous. Eh ben écoute, tu verras du sang quand j'aurai de l'argent. Fais-moi des virements. Fais-moi des virements IRL. Inventaire, canne à pêche. Non, j'ai jamais été, juste entendu parler. Ok, d'accord. C'est sur PC. C'est quoi, c'est sur Steam ou c'est à son launcher à lui? Je testerais bien un de ces quatre pour rigoler. Si c'est gratuit comme truc, ça pourrait être marrant de faire un de ces quatre, un live dessus. Je sais pas si ça te tente, Côte. Ah, c'est sur un site, ok. Il est gratuit, tu as juste un standalone client à télécharger. Moi, je suis sur un serveur Discord de la communauté francophone. Française, attends. Hop, échappe.
Vas-y, vas-y, on peut se faire ça. Ouais, faudrait faire ça, un de ces quatre, un petit live dessus, ça pourrait être marrant. On fait un live avec les abonnés là-dessus. C'est quoi qu'elle voulait faire, ma meuf, aussi Ah oui, non, mais c'était pas possible. Elle voulait faire un live où je visite les villes dans Animal Crossing, mais... Sur la 3DS, je peux pas... Je peux pas diffuser ce que je vois. C'est pour ça que la Switch, ça pourrait être intéressant s'il y a... Je sais pas ce qu'il y a comme, comme port directement sur la Switch, mais s'il y a un port HDMI, DVI ou quoi que ce soit, que je puisse diffuser directement dessus, ça serait bien. Des frontières, c'est la vue en aérien, bordeur. Merde, X. Ok. Oh, truite arc-en-ciel, on aime bien ça. Après, j'ai pas trop rempli mon coffre parce que si les mecs ils arrivent, je pense que je vais stopper dans pas longtemps. Je vais peut-être stopper le live dans pas longtemps parce que si les mecs arrivent, ça va être galère après. Allez, on va s'arrêter là. Hop. On va déjà aller vendre ce qu'on a fait là. Attends, on a combien d'argent là sur nous? Monnaie, on a tout posé normalement. Mais on a tout posé comme ça, on va voir ce qu'on va avoir fait. Donc la vente, elle est ici. Et c'est parti. C'est parti. Je sais que tu peux diffuser la Switch en utilisant le dock, mais du coup sur la Switch Lite, je sais pas du tout. Ah, je pense qu'il y aura une prise ou quelque chose, je pense, sur la Switch Lite, ouais. Ouais, je pense qu'il y aura un truc. Hein. Ok, ok, ça on s'en fout. C'est pas ça que je voulais regarder, moi. Je voulais regarder un autre truc. Merde, je voulais regarder un truc. Pourquoi j'ai Alt-Tab à la base là? J'ai Alt-Tab parce que je voulais regarder un truc, mais oh, je sais plus. Je sais plus. Bon, tant pis, on s'en fout. Ah oui, je voulais regarder ça. Voilà un truc vite fait. C'est pas ça. Ouais, si, c'est bon. Je vais regarder un truc, voir si ça buguait ou pas. J'ai de l'essence, oui. Heureusement que j'ai mis plein d'essence tout à l'heure. La caisse que j'ai sur la petite route de merde avec mes galettes, parce que clairement les roues de ma voiture c'est on dirait des roues de secours. Wouah, j'allais prendre le jump là, j'aurais été déçu. Ouh. Oh putain, et cette route là elle est vraiment dangereuse pour ma voiture. La moindre petite bosse et je me retourne, quoi. Yo, Michael! Merde, c'était là que je devais aller. Cac, Mac. J'ai l'impression que ma voiture, elle a mal, hein, quand même. Putain, si je croise une autre voiture en chemin, là... Sur quel serveur? Bah, c'est marqué dans le titre, Michael, c'est sur GTA Life.
Waouh, on va se calmer, tout de suite. Oui, on peut passer par là. Non. Oh là. Oh, elle a mal la voiture là. Là, elle a mal. Ah ouais, la voiture, elle va commencer à avoir mal là. Il me faut un garagiste là. Ah ouais, la voiture elle commence à avoir très très mal. C'est ma voiture qui fait des bruits chelous là. Oh là, regarde, regardez le devant comme il est tout écrabouillé. C'est dans le titre GTA Life. Ouais, ouais, bah, c'est ce que je veux venir. Ok. Merci, Côte. Merci, Côte, Côte. Ah, ouais, il commence à fumer là. Elle commence à fumer là, les trucs. Mais c'est toujours plus costaud. Ils sont toujours plus... Les véhicules sont toujours quand même plus résistants que sur Club V, hein, Côte. Hein. Club V, c'est l'extrême. Hein. T'as un choc et c'est fini, quoi. Ah oui, c'est ma voiture qui fait des clac clac. Ah ouais, elle fume. Hein. Est-ce qu'elle va vouloir redémarrer la voiture après? Alors bonjour Micheline, ce serait pour vendre du poisson. Nous on veut vendre du poisson. On vend du poisson. Du coup le poisson ça peut être intéressant. Hein. Si jamais t'as des belles prises, tu vois, tu peux tomber sur des trucs qui sont sympas. Hein. Les petites bouches elles sont dans le coffre. Ce qui est bien c'est qu'on vend du poisson alors qu'on entend les poulets derrière. Ouais, non, sur Club V, ouais. L'histoire de la muscu, c'est bien. J'aime beaucoup le fait de devoir aller se muscler pour certains boulots. Je trouve que c'est très très legit et très très RP, c'est cool. Mais alors par contre, le côté des maladies toutes les deux secondes, ça par contre, ça c'est problématique. Parce que tu vois, il y a des fois, je voyais quand je m'entraînais et tout ça, quand tu t'entraînes sur la salle de muscu, tu vas pas t'arrêter à chaque fois qu'il pleut par exemple, tu vois. Parce que si tu sors de la salle de muscu, c'est fini, tu vois, t'es obligé de repayer 200 balles, quoi, c'est pas la fête, quoi. Ah, on a du chinook, c'est bien ça, on aime le chinook. La spatule aussi, on aime. Oh putain, la spatule, ça paye. Hein. Gardons. Ok, ouais, on va aller chercher ce qu'on a dans le coffre. On en a deux. Hop. Et les petites bouches, on en a 8. Voilà. Enfin, Micheline, elle a les pieds dégueulasses, hein, par contre. Hein. Micheline, c'est pas très très propre, tes yep. Micheline patauge dans le sang. Grave! Patauge dans l'imbécilité. C'est Jafar qui dit ça.
Je patauge dans l'imbécilité. Chinook. Esturgeon, ça fait plaisir, les esturgeons. Gardon. On a du gardon. Ok. Eh ben, on va aller poser tout ça à la banque. Comme ça, on va voir combien on a fait. Parce que vous avez vu, là, par exemple, là, on n'est vraiment pas resté longtemps à la pêche. Et ça fait quand même des sous, vous allez voir. Parce qu'en plus, on a une banque juste là, donc c'est bien. Je patauge dans l'imbécilité. Alors on a fait combien? Déposer. Eh regardez, on a fait presque 1000 balles alors qu'on franchement on était tranquille. Hein. Eh ben c'est bien ça! 6004, on commence à avoir un petit peu de sous. On va aller au garage voir si les mecs sont là ou pas. Il a l'air d'avoir personne, hein. Il a l'air d'avoir personne. Ah, si, il y a quelqu'un. J'arrive tout de suite, monsieur, mais Ah, vous pouvez oui. décaler votre véhicule parce Ouais, que. pas de souci, pas de souci. Bah, super. Ah oh bah y'a pas que moi qui ai acheté ça comme véhicule, c'est bien. Des milliards de kilomètres. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur, vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, ça va. Je viens vous voir parce que j'ai eu un petit souci avec ma voiture. J'étais garé sur le parking central tranquillement là, et puis il y a un espèce de, c'était une camionneuse là qui est arrivée là, qui a frotté tout le côté du véhicule, enfin un bordel. D'accord, je m'en occupe. Si juste la prochaine fois vous pourriez vous garer là-bas, Ouais, ça serait d'accord, top. y a pas de souci, ouais, je Ouais, ferai ça. merci, je m'en occupe. Ça marche, merci. Il y a des gens qui arrivent là. Oh, vous avez fait une jolie peinture sur votre muscle. Merci beaucoup. Merci, c'est sympa. Ça fait que c'est un petit reflet émeraude, c'est quoi? Oui, c'est ça, exactement. C'est le but recherché. Putain, c'est classe, hein. Merci. J'irai que la voiture de base est pas mal, donc. Ouais, déjà de base, on est déjà sur une belle américaine, oui. J'aime Bonjour, beaucoup. monsieur. Bonjour. Bonjour. Mais ouais, j'aime beaucoup. Ouais, avec la lumière en plus là, le soir comme ça reflète, ça fait classe. Merci, ouais. En plus, c'est un cadeau, donc du coup, ça doit Ah bah être du coup, c'est encore plus joli quand c'est un cadeau. Tout à fait. Vous attendez tous le mécano là? Oui, il semblerait. Il semblerait. Elle est sympa votre muscle aussi là-bas. Ouais, mais c'est pas là un petit peu endommagé. Ah oui? Non. Rien de grave? Non, rien de grave, je pense que c'est le pare-chocs avant droit et les feux ont changé.
Ah. Mmh, je comprends. Vous avez vu, moi aussi j'ai une belle muscle. Ah super, merci beaucoup. $450, oui, je veux bien. Vous pouvez me faire une petite facture? Bien sûr. J'ai le sans contact. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée, bon courage. Bonne journée, monsieur. Au revoir. 450 balles le bâtard, putain. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Ponchard, comment allez-vous? Bonne journée, messieurs, du coup. Allez, bonne journée à vous. Il faut comprendre pour le serveur. Ah bah non, mais on comprend, j'étais à live devant le serveur. Après, c'est vrai que si tu connais pas du tout le nom du truc, oui, tu pourrais te dire, bon, voilà. C'est vrai, je le conçois que c'est vrai que si les gens connaissent pas le nom du serveur, tu peux pas savoir, c'est sûr. Bon, il est quelle heure là? Il est presque 16h. Je pense que je vais faire un break. Ici, c'est stylé aussi, là, le N-House, là. Oh là, c'est quoi, ça? C'est quoi, ce truc-là, là? Wouah, c'est quoi, ce scooter? Qu'est-ce que c'est, ce scooter? Oh, tous les rétros, quoi. En même temps, elle était éclatée, ouais, elle était bien éclatée. Après, ils font un peu les trucs comme ils veulent, mais après, ça dépend de comment t'explique aussi ta panne, quoi. Ah bah là, vous risquez pas de louper votre angle mort, là. Non, du tout, mais moi, je suis un monsieur. Comment vous m'avez dit quoi? Vous m'avez dit madame? Non. Ah ouais, t'as pas moi, j'avais compris ça. Ah non, ouais, pas de soucis. Ah non, là, ouais. Du coup, je disais, vous risquez pas de louper votre angle mort là-dessus. Ah non, sécurité avant tout, ça c'est sûr. Vous avez raison. Au moins, ça évite tous les petits problèmes. Mais bon, Sacha est un bon scooter, donc du coup, ça me pose pas de problème. Ah bah, pour le coin, c'est bien en plus, là, quand il fait chaud comme ça, c'est nickel, hein. Exactement, ça permet de s'aérer un petit peu tout en faisant un petit peu, comment dire, de vitesse et de sensation, comme on peut dire dans le milieu. Ah bah oui, là au niveau sensation, on est là, ouais. Exactement. Ah bah écoutez, monsieur, bonne journée du coup, puis au plaisir alors. Bonne journée à vous également, au plaisir, monsieur. Bon, ouais, on va faire un petit break, les potes, on va stopper le live. Moi, je vais aller faire ma petite live aussi, la petite life. On peut pas rentrer là-dedans. Et je vais peut-être que je relancerai un live, je sais pas. Ce soir, je sais pas si je vais être disponible. Si je suis disponible ce soir, peut-être qu'il y aura live Antares, police, je sais pas encore. Faudra que je voie. En tout cas, bon, c'était cool. Merci d'avoir été présent, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, les petits potes. On est resté 3h30 en live, hein, quand même, mine de rien. C'est plutôt cool. Je vais boire un petit coup avant de déco, comme ça au moins quand je reviens je serai hydraté. Voilà, il y a les mécanos aussi là. Et voilà, comme ça on est bon. Je vous fais des bisous les gens, portez-vous bien. Et puis je vous dis, nouvelle vidéo aussi qui va sortir, donc pas aujourd'hui mais d'ici demain ou après-demain, nouvelle vidéo qui sort. Voilà, je vous fais des bisous et à plus tard. Ciao ciao tout le monde.